jamais rien vu qui ressemble au petit éclat que j'ai trouvé sur Alpenor. Il pourrait m'être utile. Récupère son matos, c'est bon. Très bonne. Hein. Bon, autant récupérer tout ce qu'il a. Alors. Je voulais juste savoir un truc. La piquette. Est-ce que... J'ai compris, hein. Parlez, Hérodote. Ok. Attends, on est loin d'avoir tout exploré. Je peux m'égarer. Encore. Eh, mais pourquoi j'ai même pas fait ça en termes d'Apollo? C'est con. Bon. Alors, attendez, en termes de quête, on est où? Parce que celle-là, ok, elle n'a pas une fille d'Artemis, ouais. C'est des objectifs, donc bon, dans un sens c'est pas forcément mal. Alors, un inventaire, on a des éclats, on a tenu cérémonial de cul de cosmos. D'accord, regarde, ça commence à devenir beau. Alors je propose qu'on donc, on va faire, je pense que c'est là. Pas trop. Ils sont très très vigilants. Et j'ai compris qu'ils sont très très vigilants. Là, comment tu peux me dire que... On y va. On va essayer de retrouver une route. Oh non, j'ai tourné le meuf à mourir, ça serait un peu con. Tiens quand même mon cheval. Autant il n'y a pas un téléportage rapide. On parle de là. Eh, pourquoi s'emmerder? Oh oui, bah oui. Et bien ça. Oh, on va pas s'embêter à faire ça plus long, attends. J'arrive. Alors, voilà la salle secrète. La subtilité n'est pas leur fort. Alors, c'est ici. La salle secrète du culte. Ici. Pendant tout ce temps. Je vais entrer. Je peux te laisser mes vêtements? Mieux vaut aussi laisser tes armes. Je doute qu'ils les voient d'un bon œil. Comment tu me trouves? Terrifiante. Bien. Viens me retrouver quand tu auras découvert la vérité. Tâche de garder ton sang-froid. Ne te laisse pas emporter. M'emporter? Moi? Tout le temps. L'imbécile a eu l'idée d'un costume pareil. Oh purée, c'est ultra stressant.
très en retard. Heureusement, Deimos n'est pas encore arrivé. Pardon, c'est... ma première fois. Une nouvelle recrue? Bienvenue, bienvenue. Il y a beaucoup de monde ici. Oui, et tous partagent nos idées. C'est bien. Nous sommes là pour évaluer les actions menées par le culte depuis la dernière réunion, qui remonte à un certain temps. D'où est-ce qu'ils viennent tous? De partout, même d'au-delà des mers. Nous formons une communauté. Ici, pas de guerre, pas même de camp. Tu as mentionné un nom, Deimos. Qui est-il? Oh, tu vas très vite retenir son nom. C'est notre chef. Elle se considère comme telle, mais non, c'est notre arme. Elle n'est pas commode, mais ce qu'elle fait est important. Et je ne l'envie pas, crois-moi. Je vais aller parler aux autres. Merci. Oui, oui, avant l'arrivée de Deimos. Tu risques de ne plus pouvoir après. Pour l'instant, ce n'est que du sang, mais qui sait, Deimos réclamera peut-être nos mains. Allez, allez, fais ton offrande. Non, pas moi. Le sang est pour la cause, pas pour lui. Fais ton sacrifice. Oh, pardon. Il nous suffit de garder à l'esprit ce que la lignée va accomplir pour nous. La lignée? La mère, le père, la sœur. Tu sais, les siens. Nous avons besoin d'eux. De tous. Pour nous aider? Mais Deimos ne doit rien savoir, bien sûr. Tu sais comme il est instable. Il ne ferait qu'une bouchée de nous. Compte sur moi pour garder le silence. Tu feras bien. Il ne doit pas savoir que nous allons bientôt enlever sa mère. Ce qui est bizarre, c'est qu'en fait... en fait, des fois, il dit « elle » et d'autres « il » sur « il ». Et qu'allez-vous en faire? À ta place, je baisserai la voix. Sache seulement qu'il en sera fait bon usage. Sauf si elle se défend. Tu sais où elle se trouve? Non. Mais on ne tardera pas à la prendre, crois-moi. C'est la prochaine cible du culte. Parle-moi de Deimos. Il nous a montré ce que nous devions savoir. C'est une machine, une arme du culte. On ne peut confier à un homme si instable des informations aussi personnelles. Je dois partir. À notre grande ambition. Oui, à l'ambition. Il va me falloir plus d'informations pour identifier les membres de ce culte. N'écoute pas. Oublie la main. Je ne suis toujours pas convaincue. Quoi? Nous avons besoin d'un autre avis. Pourquoi nous disperser pour chercher une femme introuvable? En concentrant nos moyens, nous pouvons prendre Athènes. Il faut s'occuper des menaces immédiates. Il faut abattre Périclès. Pas sans la mer. Nous ne sommes pas assez forts sans la mer. Ne dis pas ça à Deimos. S'il faut traquer quelqu'un, c'est le père. Nous savons déjà qui est la mère. Nous perdrions trop de temps et de ressources à chercher le père. Qu'en dis-tu? Faut-il traquer le père ou la mère du champion? Ni l'un ni l'autre. Ni l'un ni l'autre. Tu as une meilleure idée? La sœur. Cassandra. Nous la tenons déjà, ou presque. Il faut penser à l'avenir. Non. Il faut s'occuper d'elle. Si vous voulez bien m'excuser. Non, j'ai parfaitement entendu. Mais tu as tort. C'est le père qu'il faut chercher. Nous devons parler d'une seule voix.
Le culte doit choisir. Ouais, je veux bien, mais je vais où maintenant? Ressaisis-toi, Malaka. On dirait un porc qu'on s'apprête à abattre. Je vais le faire, je le jure. Je vais le tuer. Laisse-moi. Ça te plaît de regarder, petite ordure? Tu vas faire plus que regarder. Tu vas donner une bonne leçon à cet avorton insolent. Il le mérite? Qu'est-ce que ça peut faire? Obéis, c'est tout. Sans poser de questions. Je n'ai pas pu. Mais je n'ai pas peur. Plus maintenant. Si tu ne réussis pas à tuer un artiste, comment feras-tu pour exécuter un archonte? Je vais le faire. Je vais tuer Phidias. Je refuse. Ah, tu ferais bien d'accepter. Parce que je t'en donne l'ordre. Allez! Non. Fais-le, toi. Oh, si tu ne sais pas t'amuser... Tant mieux pour moi. Oh, c'est horrible. Voilà ce qui se passe quand on fait pas ce que je demande. Bon, dur. C'est vraiment une secte, hein, le truc. Hein. Une autre erreur de ce genre, elle s'en va couler. Maintenant, fiche le camp d'ici si tu ne veux pas recevoir le sang de cette traîtresse. Toi, on a vu quelqu'un entrer chez toi. Je parle pas parce que je me concentre un peu, surtout que j'ai beaucoup de dialogues, alors faut profiter entre guillemets. Hein. Une correspondance du culte. Par les dieux, ils sont présents dans tout le monde grec. C'est encore plus grave que je l'imaginais. C'est étrange. Excusez-moi. Je ressens quelque chose. En direction de la pyramide. Couverte d'éclats, comme celui d'Elpenor. C'était peut-être lui, Delmos. Delmos. Ah, tu avais le dernier fragment. Maintenant, tout est prêt. Chaque fois que je le vois, il m'appelle et chante. Il exprime son pouvoir. Dis-moi, est-ce qu'il t'appelle, toi aussi? Oh oui. Qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Non. Mon grand guerrier n'est pas encore arrivé. Écoute, espèce de misérable, reprends-toi et tiens ta langue, imbécile. Un peu de respect pour la lignée. La violence est où? Oh non, dur. Oh merde. C'est Alexios. Pardon. Elpenor est mort. L'un de vous est un traître.
L'artefact nous donnera son nom. Chacun d'entre vous passera l'épreuve. Et tu es le premier. Va. Ouah, mais c'est quoi ce bordel? Il y a une purée de secte. Oh merde. C'est bien Alexios, oh Dieu. Va. Quoi? Viens ici. C'est une violence, par contre. Oh. Hey, franchement, faut qu'il se calme un peu. Parce que ça devient vraiment violent. Je sais pas quoi répondre, c'est très dur, en fait. Tu te dis, waouh, quand même. Ah, tu es en vie. Il y avait des gens au temple. Je n'ai pas vu leur visage. Ils... Hérodote. Ils dirigent tout le monde grec. Absolument tout. Je vois. C'est pire que ce que je croyais. Ce n'est pas tout. Ils ont une arme. De quelle sorte? Un soldat. Plus fort et plus féroce que tous ceux que j'ai jamais rencontrés. Hérodote. C'est mon frère. Nous devons aller à Athènes. Athènes? Nous devons plutôt trouver ma mère. Mes vêtements. Ma lance. Bien sûr. Ma lance. Le culte de Cosmos appelle mon frère Deimos. Il s'est servi d'un artefact pour lire mes souvenirs. Cassandra, l'homme que je sers
Il faut lui dire ce qui s'est passé avant qu'il ne soit trop tard. Tu as déjà entendu le nom de Périclès ? Oui, justement. Périclès est le général qui dirige la Ligue de Délos contre Sparte. On dit qu'il est impitoyable. Nous ne menons la Ligue contre personne. Périclès est un homme de paix. Cette guerre lui a été imposée. Comme à nous tous. Un général qui s'opposerait à la guerre ? C'est étrange. Chasse tes doutes. Il s'efforce d'arrêter cette guerre. Comme nous tous. Si des forces se sont alliées contre lui, il faut le prévenir. Allez, pardon. Ouais, sa mère calme. Le culte traque ma famille, ma mère. Il faut que je la retrouve. Tu as la lame de Léonidas. Sois à la hauteur. Si Périclès ne met pas fin à cette guerre, c'en est fini de nous tous, y compris ta mère. Assez avec ta guerre. Le culte veut exterminer ma famille. Tu as un devoir envers le monde grec, tout comme moi. Il faut prévenir Périclès. C'est ma mère. Qu'est-ce que tu ferais à ma place ? S'il y a un endroit où nous pourrons trouver des informations sur ta mère, c'est à Athènes. Pourquoi ? Périclès s'entoure des esprits les plus brillants d'Athènes, et donc du monde. À Athènes, tu pourras remplir ton devoir envers ta famille. Mais avant de partir, viens me retrouver auprès du lion de Léonidas, au Thermopyles. Léonidas ? Pourquoi ? Il faut que je vérifie quelque chose. Une chose qui pourrait nous aider à abattre ce culte et à sauver ta mère. Hérodote, tu m'as prouvé que tu étais digne de confiance, mais faisons vite. Les Thermopyles, et ensuite Athènes. Je vais faire en sorte que chacun de ces adeptes meure de ma main. Alors... culte du cosmos. Le culte du cosmos est une société secrète regroupant des gens de pouvoir qui cherchent à contrôler le monde. Rechercher des indices à travers le monde grec pour dévoiler l'identité de tous les membres du culte et l'annihiler définitivement. Oh, un nouveau menu. Culte du cosmos, depuis le menu des adeptes, utiliser les nouveaux indices pour dévoiler les adeptes, les traquer et éliminer le culte du cosmos. Profil. Oh, d'accord. Bon, lui, c'est quand c'est Alexios. Mais... oh, eh. Alors, avant toute chose, moi, je vais devoir aller manger. Alors, ce que je propose, c'est que histoire formation, nouvelle gravure. Ah, attendez. C'est tout vraiment, y a pas que ça. Waouh. Ça, ah oh, oui d'accord, ok. Donc ça, j'ai ça à faire. La quête des Odyssées par un vite. Waouh, d'accord. Bon. Donc, ce que je propose de faire, c'est que. Odyssée, Nicolaos, c'était fermé. Non. Ok. Alors, moi, ce que je propose. C'est un inventaire, quand même. Voilà, lettre adepte. Et deux. Alors, ouais. Ça, je vais faire ça après. Moi, ce que je propose, c'est que là, moi, je vais aller manger, d'accord. Mais pas pour très très longtemps, j'espère. Oh, attendez, je fais ça. Hmm.
Donc voilà. Donc je vais faire une pause peut-être, allez, d'un bon quart d'heure au minimum. Allez, je mets 20 minutes. Si je rentre avant, tant mieux. Si je rentre après, bah voilà. Et après, on va continuer tout ça, voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Et bah à tout à l'heure, voilà. Allez. Re tout le monde. Alors oui, bon, j'ai mis 20 minutes. C'était 15 minutes ou un peu plus. Bon voilà. Donc on va peut-être jouer encore, allez, une bonne trois quarts d'heure, on va voir, je vais voir si je peux pas essayer de faire ça. Donc voilà, donc bon, on va déjà voir tous les membres du culte comme on a fait tout à l'heure. Et après on va passer, après on va continuer nos quêtes, voilà. Sotera et son entreprend Magaris. Objet associé, très bien. Allez, donc on a tout. Dévoiler et tout. Cosmos exige de connaître les secrets cachés dans le cœur des hommes. Alors, je les ouvre. Rien n'échappe aux nombreux yeux de Sotera, marin insolent, parcourant les mers, mendiant, pouillant les rues, tout pouvait être ses agents, et tout c'était dangereux. Arrêtez les conversations qui échappaient à la toile qu'elle avait tissée, les spectacles qu'elle n'était pas visée. Non, elle n'était pas visée. Ouais, je sais pas. On dit que ça avait possédé une carrière des esclaves en Attique, il faut aider les populations. 4 sur 10 pour découvrir l'éternité de cet objet. Bon, allez, j'ai la flamme de lire. Normal. On a l'Amidas, le banquier et Argos. Voilà. À quoi bon la démocratie? C'est l'argent qui dirige le monde. Les hommes du culte recherchent tout ce qui est expulsant, pyramide d'ombre, les ruines comme des simples voleurs de tombes. Rarité ceux à connaître la nature de ce qu'ils recherchaient. Paul Miage évictué, Midas Argos était chargé d'effacer toute trace de ses lieux historiques. Le jour, il se présentait sous les traits d'un banquier riche et impitoyable. La nuit, il y introduit tout ce qui devait l'être. Intéressant. Que vaut une vie sans un millier d'autres derrière elle? La plupart des gens connaissent la passion, l'amour et la chaleur humaine, mais la chimère n'est sensible qu'au froid calcul. Le monde était là que pour être exploité, et qu'elle faisait très bien, au nom de Cosmos. Sa cible suivante était constituée d'artefacts cachés dans une forge très ancienne. Ses esclaves allaient en extraire les secrets, pas de quoi elle subirait sa colère. Je parle vite, hein. Centaure a une mine en une des. Les esclaves comprennent mieux les règles quand on les entaille sur leur nuque. Centaure DB avait offert à Cosmos la chaise que lui avait rapporté le commerce du cuivre, mais cette activité nécessitait de nombreux esclaves, alors le culte envoyait des cargaisons d'âmes perdues vers ses mines. Un sort peu enviable. Bon, et j'ai arrêté de lire. Voilà. Le but serait de trouver ça. Après le reste, voilà. Sinon, ça demande du temps. Bon, je vais voir. Voilà, faut trouver un indice. Oh, par contre, l'arme, elle a l'air stylée. 50. Oh la hache, 2500 dégâts. Pour... C'est du bon. Demos et l'arme suprême du culte. Voilà. Bon. Le chaos est notre plus grande force. Lorsque l'on naviguait vers les rivages de Pepka, on pouvait entendre des hurlements, d'abord tenus, puis plus forts, et enfin insondissants, ils provenaient de la gorge des hommes et des femmes agonisant dans les fosses, où la bête les tuait. Cet entraînement sans fin au profit de Cosmos l'ennuyait, mais il ne pouvait prévoir qu'une prétendante viendrait bientôt mettre terme à son règne de champion. T'inquiète pas. Ce combat ne prendra fin que lorsqu'il ne restera plus que moi. Brutal, horrible, bestial, tel était le qualificatif le plus aimable employé pour décrire Okitos le Grand. En réalité, il était pire, bien pire. C'est donc bien logique qu'on le confie l'entraînement des jeunes mercenaires destinés à devenir des gardes et des soldats du cosmos. Ceux qui ne se mettraient pas à la hauteur des premiers jours étaient honorablement sacrifiés. Oh, le bâtard. J'ai passé 20 ans en mer pour découvrir que le culte était ma seule maison. Après avoir perdu ses parents lors de l'invasion perse, sa femme lors d'une tempête, ses enfants, ses amis, ses compagnons de mer, Astérion ne naviguait plus que par amour de la mer, mais par volonté de venger ses morts. Combien de cadavres laissa-t-il dans son sillage? Des centaines, des milliers, et quand ses morts reviendraient-ils se venger à leur tour, à l'entraînement, auprès de ceux qui l'avaient aidé? Ok, bah go alors. Mon caballero, comme on dit. Tac, je suis de route, on prend l'objectif, on va attendre. D'accord, ouais, ouais, donc vraiment le truc du culte et tout, c'est du bon gros niveau, hein. Excusez-moi.
Nous sommes en focus. Salut. Excuse-moi, excuse-moi. C'est vraiment parce que j'utilise une deux routes, hein. Sinon je pense pas que j'utilise un chemin là. Ah, ouais, je veux dire que ça réduit en termes de distance déjà. C'est marqué en vol d'oiseau aussi. Des statues qui traînent et tout. C'est pas un 5, ça, j'espère. J'ai toujours un 5. Oh, j'aurais tellement pu avoir une belle photo. Un cerf bien affiché, ça aurait été beau. T'as des conquêtes disponibles, personnage dino. Ouais. Ah, nouvelle région découverte. Faut déjà le truc, c'est F1, non? Photo, c'est. Alors, ça va vraiment l'FPS. Ouais. D'accord, ouais, non, c'est pas vraiment ça. Non, F. Ah, voilà, c'est bien F3. Allez, si on prenait une petite photo. Ok. Non. Ouais, bah j'aurais dû faire changer un peu le truc, mais on se parle. Comme ça.